Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, un nouveau rituel. Alors, c'est il ou elle reviendra. Alors, rapidement, donc c'est assez rapide ce rituel pour que vous ayez des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de fil rouge. Ça peut être du fil de couture ou ça peut être du fil de pelote de laine. Alors, une dent d'ail. On aura besoin également d'une bougie blanche. On aura besoin d'un bic. On aura besoin également aussi d'un, alors, soit de film plastique ou du papier aluminium. Voilà. Donc, on a bien tout. Et bon, moi, j'ai pris la petite assiette pour mettre tout ça. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez, si vous voulez des rituels personnalisés que je fais pour vous, donc vous me contactez sur cet email contact@farakey.com ou sur ce WhatsApp, donc +34 618 13 25 89. Donc, vous m'envoyez un petit, votre prénom, un message, pas d'appel s'il vous plaît, un message, enfin votre prénom et vous me, en 3-4 lignes, vous pouvez me résumer un peu votre situation. Ensuite, on ira plus dans les détails. N'oubliez pas également que vous pouvez procurer les livres sur Amazon. Vous tapez Farakey sur Amazon ou c'est sous la vidéo en description. Comment devenir un femme fatale en 21 jours et le rendre fou, amoureux. Et également les livres donc exclusifs avec des rituels exclusifs que vous ne trouverez seulement que dans les livres. Voilà, c'est pareil. Puis, il y a d'autres livres que vous trouverez sur Amazon. Allez, on va commencer. En premier lieu, on va prendre la dent d'ail et on n'enlève pas, le papier. Enfin, le papier. La sorte de couche, ok? On va la mettre dans les mains en pensant à la personne. Donc, on met bien l'énergie dans l'ail. Voilà, en pensant bien à cette personne. Ensuite, on va prendre un bic et on va écrire le nom et le prénom de la personne. Alors, même si ça ne note pas, vous voyez ici que si je fais ça, ça ne... Voilà, oui, peut-être un peu ici, mais c'est pas grave si on voit pas le bic. Oups, si on voit pas le bic. Donc, d'un côté, vous mettez le nom et le prénom de la personne, par ici, juste le N, et de l'autre côté, également, son nom et son prénom. Donc, ce n'est pas grave si on ne voit pas tout. Vous voyez, comme vous voyez ici, on ne voit pas tout. Là non plus, c'est que... Mais ça, ce n'est pas grave. Du moment que vous l'avez écrit, en fait, sur, la dent d'ail. Ensuite, vous allez reprendre dans vos mains. Voilà. Reprenez dans vos mains. Tout en pensant à la personne. Et vous récitez 5 fois son prénom. Donc, par exemple, on va dire, c'est un exemple, Olivier Dupont. Olivier Dupont, Olivier Dupont, vous répétez ça 5 fois. Ensuite, vous allez prendre la dent d'ail et vous allez l'écraser, en fait. Vous allez pousser, soit vous le faites avec votre main, soit vous le faites avec quelque chose qui peut... vous le faites comme ceci, et vous tapez. Donc, l'ail va s'ouvrir. Je ne vais pas le faire là, mais l'ail va... s'aplatir et s'ouvrir. Ensuite, on va prendre le fil ici et on va tourner. Oups, on va faire comme ça. Et on va tourner. Oups, voilà, 5 fois. Bon, la première fois, ça compte pas. Donc, on va dire que c'est comme si vous avez fait 6. 5 fois autour de l'ail. Ensuite, vous ferez un premier nœud et un second nœud. Vous prenez alors soit l'aluminium ou du film plastique, hein, ça dépend, voilà, si, ça peut être l'un ou l'autre. Si jamais vous n'avez pas de film plastique, eh bien vous pouvez prendre ou un sopalin ou le mettre. Vous l'emballez, voilà, et vous prenez dans vos mains l'ail et vous répétez à nouveau 5 fois le nom et le prénom.
Ensuite, quand c'est fait, donc Olivier Dupont, Olivier Dupont, Olivier Dupont, Olivier Dupont, Olivier Dupont, Olivier Dupont. Donc, 5 fois. Ensuite, on va prendre la bougie. Donc, ça peut être une bougie chauffe-plat. Voilà, parce que de toute façon, il faudra la laisser se consumer. Alors, juste un petit aparté pour comment on prend la vidéo comme ça. Vous avez bien toutes les coordonnées. Si jamais vous ne l'avez pas pris, vous n'avez pas pris la vidéo au début. Donc, si vous voulez des rituels, le rituel n'est pas fini, hein, je vous donne la suite. Si vous voulez des rituels personnalisés que je ferai pour vous, qui sont bien plus puissants, eh bien, vous pouvez me contacter sur cet email contact@farahke.com ou via ce WhatsApp +34 618 13 25 89. M'envoyez un petit message avec votre prénom et vous résumez en 3-4 fois. Enfin, 3-4 fois, 3-4 lignes. Donc, on va allumer la bougie. Voilà. Et on va repasser. Donc, sans vous brûler, vous ne passez pas trop, trop. Vous repassez au-dessus de la bougie, autour. Vous voyez ? Et vous récitez à nouveau 5 fois le nom et le prénom. Donc, Olivier Dupont, Olivier Dupont, Olivier Dupont, Olivier Dupont, Olivier Dupont. Donc vous faites ça 5 fois. Ensuite, vous allez prendre le bout, donc ça, la bougie, vous la laissez se consumer complètement. D'accord ? Le morceau d'ail dans soit du sopalin ou du film plastique, ou ça peut être même une feuille de papier si jamais vous n'avez pas tout ça, ou de l'aluminium. De toute façon, si c'est de l'aluminium, faites attention de. Vous allez le mettre au surgélateur. Congélateur ou surgélateur. Donc, qui congèle en tout cas. Si c'est du papier aluminium, mettez quelque chose, ne le mettez pas contre la glace parce que ça colle. Et après, c'est difficile de l'enlever après. Il faudra décongeler votre frigo, toutes ces choses-là. Si c'est un morceau de papier aussi. Donc, mettez, ou vous mettez, et sopalin aussi d'ailleurs. Essayez de le mettre ou sur un petit plastique ou quelque chose comme ça. Vous allez laisser ça 5 jours et 5 nuits. Vous le laissez congeler. Quand il est congelé, vous le sortez et vous allez le garder sur vous jusqu'à ce que tout soit vraiment bien. Quand la personne sera revenue, mais quand tout sera bien apaisé, qu'on voit qu'il y ait une constance dans tout ça, et bien alors là, vous pouvez le jeter où il y a de la terre, ou dans la rue, où vous voulez. Pas dans une poubelle, non. À terre, dans la nature, le mieux encore près d'un arbre, c'est encore mieux. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner surtout, et mettre des commentaires, et on se retrouve pour un prochain rituel.